reborn. Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé nos trois vidéos précédentes, vous êtes au courant de ce qui se passe. Une star de la musique a fait sortir une chanson bizarre qui est en train de faire le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que ça parle du diable et de l'enfer. Cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo-ci. Vous allez voir comment nous l'avons analysée. Mais ce qui est étrange, c'est que une nouvelle chaussure vient de sortir. Ouais, pour accompagner ce nouveau clip, cette nouvelle musique, une chaussure est sortie. Et cette chaussure s'appelle Satan Shoes. La chaussure de Satan. What? Qu'est-ce qu'il a? Ha! La chaussure du diable est ici. Soyez prêts à voir ça. Ce qui est étrange, c'est que il y a une goutte de sang quelque part. Et il y a 666 exemplaires. Et c'est vendu à plus de 1 000 $. Et les gens sont dit d'acheter ça. Alors que ça parle ouvertement du diable. Sérieux? Bon, c'est bavardé. Allons voir ça au studio. C'est parti. Ce n'est plus la chaussure qui parle. C'est maintenant devenu la chaussure du diable. Satan chose. La chaussure de Satan. Regardez à l'écran. Regardez très, 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 très bien. Comme vous pouvez le voir, on voit clairement quelqu'un. Une personne qui tient une chaussure. Une chaussure noire et rouge. Un peu de blanc. Et des signes partout. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Et quand vous regardez bien, on voit 666. En plus de ça, il y a quelque chose là, dans la chaussure, comme si c'était de l'encre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a découvert qu'il y a quelque chose dedans. Vous-même, vous allez voir ça de vos propres yeux. Et c'est même ça. C'est après la sortie de ce clip que nous avons vu cette chaussure à l'appui qui est vendue à 666 exemplaires et seulement aux États-Unis. Ha! Le monde dans lequel nous sommes est vraiment bizarre et les gens font des trucs vraiment étranges et personne ne comprend. La chaussure du diable 666 est ici. Soyez prêts. Nous allons vous montrer quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Regardez ça. Cette personne tient cette chaussure-là clairement en main. Et vous pouvez clairement voir qu'il y a beaucoup de signes sataniques là-dessus. Déjà, la marque de la bête, 666. Et on n'a pas seulement ça. Nous avons également Luc 10, verset 18. Qu'est-ce que Luc 10, verset 18 nous dit? Luc 10, verset 18 nous dit clairement que Jésus lui dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et on se pose la question, ça, mais comment les gens peuvent-ils associer le 666 à la parole de Dieu? Comme ça parle de Satan, je suppose que le diable utilise la parole de Dieu pour parler de lui. Comme quoi, le diable croit à la Bible. Le diable croit aux Écritures plus que vous. Quand vous dites que le diable est sataniste, ils utilisent souvent la parole de Dieu pour faire des trucs mystiques. Ça, c'est l'exemple palpable. Ouais, et c'est bien réel. Mais ça, ce n'est encore rien. Ce qui est étrange et qui fait que les gens sont en train de crier sur les réseaux sociaux là, c'est ce que je vais vous montrer. Déjà, on a vu le livre de Luc qu'on vient de voir. Et vous pouvez voir maintenant ici. Regardez bien. Est-ce que vous voyez? Voici les éléments qui ont été utilisés pour fabriquer la chaussure. Toutes les caractéristiques de la chaussure, et comme vous pouvez le voir,
s'appelle Satan Shoes, la chaussure de Satan. On voit ici, on nous donne l'information sur le corps de la chaussure. La chaussure s'appelle Nike Air Max 97. On nous donne encore d'autres informations ici. On nous dit qu'il y a certaines choses là-dedans. Ceux qui comprennent un peu traduisent ça. Mais ce que je sais, que je vois clairement ici, c'est ce qui se trouve là où se trouve la flèche. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On nous dit que one drop human blood. Blood, c'est le sang. Ça, c'est humain. Ça, c'est goutte. Et ça, c'est quoi? Ha! Ça veut dire une goutte de sang. Ça contient aussi une goutte de sang. Ça veut dire que dans la paix que nous venons de voir, dans l'encre, se trouve une goutte de sang. Jesus Christ. Et ça a été conçu en 666 exemplaires, comme je viens de vous le dire, mes frères et sœurs. C'est pas de la blague, c'est bien réel. C'est bien réel. Et regardez ce qui est écrit ici. Jean, I'm Satan feel like light night from Bible. Bon, t'as pas dit Satan, les gens se voient en Satan. Et la goutte de sang là est censée être ici, genre dans le bas là, le bas de la chaussure là, ici là, tout ce qui est rouge là. Peut-être j'ai mis de l'encre, mais ils nous disent que il y a une goutte de sang humain à l'intérieur. Vous avez vu de vous-même, hein? On dit qu'il y a une goutte de sang humain. Ils avaient fait une chaussure à un moment donné, genre comme ça, hein? Et à la place de ce truc qui est là. Ce truc en rouge, il y avait un truc qui ressemblait à du bleu. Et les gens disaient que c'était de l'eau bénie. Vous voyez, de l'eau bénie. Comment les gens peuvent faire des trucs pareils? Comment est-ce qu'on peut fabriquer une chaussure et puis on va mettre l'eau bénie là-dedans? Parfois, les gens sont dans la confusion totale. Les gens sont grandement dans l'erreur. Ah! Et puis toi, tu vas acheter. Et puis toi, tu vas l'acheter. Hein? De toute façon, c'était fait en 666 exemplaires. Quand les gens de l'église de Satan ont vu ça, ils ont dit à ces stars-là même de pouvoir aussi faire leurs chaussures. Les gens de l'église de Satan disent qu'eux aussi veulent leurs chaussures. Ouais, c'est comme si ce gars-là les a honorés, quoi. Les a élevés, les a mis en avant. Puisque tout ce qu'il a fait, même dans l'équipe, parle du diable. Ouais, ça parle du diable. Du diable, de l'enfer, une personne qui fait des trucs. Vous allez voir ça à la fin de cette vidéo, la vidéo complète. Je vais juste vous montrer quelques images. Regardez ici. Vous allez voir. Oh ouais, c'est pas de la blague. C'est là que tout avait commencé. C'est là que tout a commencé. Regardez. Une personne qui vient étrangler le diable en enfer. Regardez. Boum. Le diable est mort, c'est la personne qui vient prendre le courant du diable. Et quoi? Pour la mettre sur sa tête, en choco même. Ouais, et en riant. Et cette personne, comme vous pouvez le voir, se transforme en un ange puissant, en fait un démon, avec des ailes, pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voici ce que les gens sont en train de faire. Après, quand ils vont mourir jeunes, ils vont se plaindre. Après, quand ils vont mourir jeunes, ils vont se plaindre. Les gens font des choses juste pour être riches et célèbres à un âge vraiment très, très, très bas. Un jeune âge. Et après, c'est pour mourir. C'est ça. C'est ce qu'il y a à la mode maintenant. Le club des 21. Genre le club des gens, c'est-à-dire le groupe des gens qui sont décédés à l'âge de 21 ans. Ce sont les choses que les gens sont en train de faire aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est ça qui a commencé. Quand ça se passe comme ça, vous ne parlez pas, hein. Vous ne dites rien, vous ne priez pas pour la personne. Et quand la personne va commencer, va mourir, va perdre la vie d'une manière bizarre, les gens vont commencer à dire, ah, c'est un autre gars, on l'aimait, rendons lui hommage, vendons ses albums, faisons comme ceci, faisons comme ça. Voici ce qui se passe maintenant, surtout aux États-Unis. Quand quelqu'un meurt, ils vont plus d'albums. Plus d'albums. Et le satanisme n'est plus caché.
les gens se montrent ouvertement. Tellement eux, ils sont développés, hein, ils sont devenus maintenant bêtes. Tellement ils sont développés, ils sont devenus bêtes. Oh. C'est ça aujourd'hui. Quand on est trop intelligent, on devient bête, tu vois. Jésus. La lumière est là, hein. Eux vont dans les ténèbres. La lumière est là. On dit mon ami passe à droite, passe à droite, passe à droite. Lui dit non, lui ne comprend pas son voix foncée là. Parle anglais. Ah! Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a? Passe à droite, tu passes à gauche. Passe à gauche, tu passes à droite. Ça dit les hommes ne sont pas la peine. Et ces chaussures appellent la chaussure de Satan. Fondue en 666 exemplaires avec une goutte de sang dans chaque paire. What? Non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça le monde. Et vous, vous devez être informé de chaque chose qui se passe dans ce monde, tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes bonnes années. Dès qu'il y a un truc bizarre, je vais prendre ma caméra et vous montrer toutes ces choses pour que vous soyez au courant. On dit qu'avant le retour de Jésus-Christ, je crois des choses, non? Des choses étranges, non? J'ai dit que vous allez être vraiment informé de tout ça pour vous préparer pour aller au ciel, parce que personne n'a envie d'aller à l'enfer ici. C'est pas de la blague, mais vous même regardez ça. Est-ce que l'enfer c'est joli? Est-ce que l'enfer c'est choco? Même si nous font croire que c'est un endroit joli et que Satan c'est un bon gars, c'est fou. Le diable c'est le diable. Ce n'est pas votre camarade et il est armé d'une grande colère parce qu'il a envie de dévorer les gens. Ha! Faites attention. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, vous pouvez abonner à cette chaîne. Dans la description se trouve un lien où vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve notre formation bancaire. Merci les frères et sœurs pour tout. Que Dieu bénisse et vous serez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Reborn. Don't sweat by.